Shalom, Yasharala, Shalom, aux frères, aux sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. Soyez bénis, que le Père soit glorifié. Je dis aussi un Shalom à la fille et au fils des nations païennes. Voilà, à tous ceux qui se sont attachés au Ban Yasharala et qui, au meilleur de leur habileté, obéissent au commandement du Très-Haut. Bon, par l'Esprit du Père. Je vais faire cette petite exhortation, une édification, mais ceci n'est pas fondamentalement un enseignement biblique. Bon, attendez. J'ai ici, bon, c'est ce que nous, on appelle le Congo Bololo, ok? Le Congo Bololo, je vais prendre, bon, le Bololo, c'est tout ce qui est amer, donc Congo Bololo. En fait, c'est juste une tisane ou des tisanes faites en fait, sur la base des herbes amères. Ok? Voilà. Bon, c'est très très amer. Ok? C'est pas de l'alcool, c'est juste une tisane comme ça. Bon, j'ai grandi avec. C'est bien pour la santé. C'est contre tout ce qui est fatigue. Voilà. Bref. Donc, bois un peu le Congo Bololo. Tranquille. Donc, le titre de cette exhortation, votre pasteur, un serpent, un charmeur. Mais qui aura pitié de lui? Vous voyez, les frères. Une personne, pasteur, prophète, je sais pas, ministre, tous les titres qui peuvent se donner. Si cette personne vous apporte la parole et votre pasteur, si elle-même ne voit en son âme aucun prix, aucune valeur, il n'en verra jamais combien est précieuse la vôtre. Jamais. Jamais. Et frères et sœurs, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, si vous saviez à combien votre âme avait de la valeur pour vous-même et pour votre Créateur, vous devriez faire attention à qui vous allez recevoir la parole, des gens que vous fréquentez, les églises où vous partez. Votre âme a du prix. Préservez votre âme de toute souillure. Ouais, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Une petite parenthèse qui n'a peut-être rien à voir avec le sujet, mais on va revenir sur le sujet. Mais ça peut aussi, plus ou moins, avoir un lien avec le sujet. Sur l'importance des âmes des gens. Oui, je reçois des commentaires où j'en ai reçu, hein, même aujourd'hui j'en ai reçu, des gens qui viennent, qui disent, oh, toi tu fais des vidéos pour... Il y en a qui disent pour le buzz, il y en a qui disent, ouais, tu fais des vidéos pour avoir l'argent sur YouTube. What the hell is that? Mais attends, même moi là, même je ne savais pas que YouTube payait, soi-disant, de l'argent aux gens à cause des vidéos. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Donc, un bon gaillard comme moi là, un père de famille, ok, je vais être là à faire des vidéos pour gagner de l'argent. Mais vous êtes stupide.
Mais non, le jour où je fais pas de vidéo, ma famille ne va manger quoi? Mais vous êtes marrant. Et j'ai dit à ce voyou-là, si ton oncle ou ton grand frère travaille chez YouTube là, si apparemment j'ai un bulletin de paye là-bas, il faut qu'il raye mon nom sur ceux qui reçoivent de l'argent sur YouTube. What the hell is that? Ça, c'est les histoires des paresseux. Donc, vous allez vous rester comme ça, vous faites des vidéos, on vous paye quoi? De quoi? Les mains là sont faites pour quoi? La tête là, bon. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans des domaines précis, ils font des trucs. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans un domaine précis. Je vais faire des vidéos pour gagner. Je consacre quel temps je couvre. Une vidéo que je fais peut-être 30 minutes, 1 heure. Et on va me payer quoi? On va me payer quoi? Mais vous êtes des malades. Donc, vous pensez que les gens viennent ici pour se faire connaître? Où ils viennent pour chercher de l'argent. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui viennent sur YouTube pour se faire connaître ou pour chercher de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Je sais où gagner de l'argent en allant travailler. Point barre. Je viens ici, je partage la parole pour apporter l'édification dans la vie de mes frères, de mes soeurs, des gens qui aiment écouter. Voilà. Le plus important, c'est d'apporter la parole aux gens. Je ne suis pas un guide, soi-disant, vous voyez des gens, le guide spirituel, ou je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. J'enseigne la parole du Très-Haut, vous retenez ce qui est bon pour vous et vous rejetez le mal. C'est tout. Maintenant, ce que le Père m'a donné pour que j'encadre, je les encadre chez moi, je les encadre dans ma communauté, je les encadre dans mes groupes. Ça s'arrête là. Ce que vous remarquez, par exemple, je mets jamais des vidéos, en tout cas, j'ai jamais mis, où je me réunis peut-être avec mes frères, tout ça là, je fais pas ça. Je suis pas là pour le m'as-tu vu, ni pour faire des propagandes. Ça m'intéresse pas. Ces bêtises-là. Donc, pour ceux-là qui pensent que on fait des vidéos, je sais pas s'il y en a qui vous allez gagner combien. Je sais pas, bref. Ce qui est important pour moi, c'est les âmes des frères et des sœurs. C'est ça qui est important. C'est ça. Qu'une personne écoute la parole et qu'elle s'ajuste sur ce que la parole lui dit et que la personne devienne une meilleure personne. C'est ça qui est plus important. Vous voyez, j'ai entendu beaucoup d'histoires ou j'entends beaucoup d'histoires des frères et des sœurs qui viennent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais deux fois, vous voyez, quand j'entends ce que d'autres personnes viennent me dire, des fois je me dis, mais attends, c'est quoi ces histoires-là? Et moi, par expérience et par l'esprit du Très-Haut, les personnes que le Très-Haut a mis sur mon chemin, bon, qui a des difficultés, tout ça là, moi, ce que je leur conseille, premièrement, c'est de mettre leur vie dans la justice, de craindre le Très-Haut réellement, commencer à obéir à des lois. C'est tout. Il y a des sœurs et des frères qui m'ont approché, qui avaient des sérieux problèmes. Je leur ai juste dit, obéissez, apprenez les lois de Dieu. Vos histoires, vous ne dormez pas la nuit, les gens viennent vous menacer, vos histoires de faux rêves, ou des rêves bizarres, vos histoires de mari de nuit, là. Respectez la loi. Respectez la loi, c'est tout. Obéissez à la loi. Soyez juste devant la parole du Très-Haut. C'est tout. Demandez à ce que le Très-Haut vous délivre de ces choses-là. Et il y a des frères que le Très-Haut ou des personnes que le Très-Haut a donné certains dons qui peuvent réellement prier pour vous dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité.
pour que vous soyez délivrés. Mais il y a des choses que vous pouvez trouver une solution en devenant juste devant le Très-Haut, dans l'application de ses préceptes, de ses lois et de ses statuts. Bon, maintenant regardez, on va revenir un peu dans le vif du sujet. Il y a, surtout dans le christianisme, j'ai jamais compris. Ouais, le Très-Haut, il dit, vos prophètes vous prophétisent toujours le bonheur. Il n'y aura pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Regardez. Vous êtes en Afrique. Ils vous disent, oui, vous allez aller en Europe, comme si l'Europe, c'est le paradis. Vous venez en Europe ici. Ils changent de prédication. Ils vous promettent quoi? Vous êtes. Vos pasteurs, c'est des charmeurs, c'est des diseurs de bonne aventure. Il faut faire très attention. Mes frères et sœurs, je vous parle avec le cœur. Votre âme a du prix devant le Très-Haut. Et aussi longtemps vous-même, vous ne donnez pas du prix à votre âme, vous allez l'exposer à des charlatans, à des charmeurs. Maintenant, à ces faux pasteurs, à ces charmeurs-là, je vais vous dire quelque chose. Et moi inclus. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire au nom du Très-Haut ou au nom du Mashiach sans que la justice du Très-Haut ne se prononce pas sur toi. Jamais. Jamais le Très-Haut se venge toujours de ce que l'on fait en mentant sur lui. Il se venge toujours. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Il se vengera toujours. Toujours, toujours, toujours. Nous devons faire très attention, les frères et les sœurs. L'image que je vais, la vidéo que je vais jouer ici, si vous ne supportez pas les images où il y a des serpents, vous pouvez skip, vous pouvez passer. OK? Donc ici, c'est un monsieur, je ne sais pas qui se dit pasteur ou fils de pasteur, donc dans leur église là, ils utilisent les serpents, comme quoi la parole leur avait dit, vous marcherez sur des serpents, bref. Mais il va se faire mordre, puis mourir par la blessure de son propre serpent. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ceci en fonction du sujet que je traite. Vous allez comprendre que à tous ces charmeurs-là, pasteurs dans les églises, je ne sais pas, évangélistes ou quoi que ce soit là, vous êtes des charmeurs. Et le serpent que vous jouez avec va se retourner contre vous, vous mordre. Mais personne n'aura pitié de vous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que les Écritures vont nous dire. Qui aura pitié du charmeur? Ce qui fait que quand vous voyez beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, quand ils tombent dans les scandales, n'ayez jamais pitié d'eux. N'ayez jamais pitié d'eux. C'est le Très-Haut qui permet ces choses-là. N'ayez jamais pitié d'eux. Les méchants, n'ayez jamais pitié d'eux. Voilà. On va suivre cette séquence de 1 minute 40 et then we take the scripture. Là, il a été mordu. Regardez. Il prend la morsure.
Mais toujours dans l'euphorie, hein, voilà, il dit, bon bref, le délire quoi. Au lieu de chercher l'aide médicale, eh ben, il veut faire croire aux gens qu'il a la puissance. Ok? Mais il va mourir. Il va mourir. Là, il est en train de dire oui, soi-disant, c'est le diable qui l'a attaqué. C'est pour cela que vous allez remarquer plusieurs de vos pasteurs là, quand ils sont pris dans des scandales, ils aiment toujours dire c'est le diable. Et dernièrement sur WhatsApp là, il circulait même un post qui disait c'est bien d'avoir une femme chrétienne, ok? Si tu la trompes, comme ils disent, hein, si tu la trompes, bah, tu lui dis juste que c'est Satan, tout ça là, il va te comprendre. Et vous voyez le délire et l'égarement et les tâtonnements d'esprit. Donc, un monsieur qui se fait mordre par un serpent venimeux, il dit que c'est Satan qui l'attaque et il va perdre sa vie comme ça. Ok? Chez nous les Congolais, comme ça on dit Alapa, donc ça veut dire quoi, voilà, tu ce que tu cherchais là, tu as eu ça quoi, donc Alapa, vous voyez, regardez. He's gonna die. Il va mourir. Mais non. Un homme comme ça, qui va avoir pitié de lui? Qui? C'était un charmeur. Regardez ce que la parole du Père dit. On va aller dans le livre du Siracide. Siracide. Au chapitre 12. Livre du Siracide au chapitre 12. Alors, on va lire à partir du verset. On lit à partir. Ok. On lit à partir du verset 13. Ok, le verset 13. Il est écrit: Qui aura pitié de l'enchanteur? Dans d'autres versions, on dit charmeur. De l'enchanteur mordu par un serpent et tous ceux qui approchent les bêtes féroces. Qui aura pitié de lui? Je vais prendre la version où on dit charmeur, je pense. Ici, on va regarder Bible de Jérusalem, Ecclésiastique, chapitre 12. On va lire le verset 13. Voilà. Il est écrit: Qui aura pitié du charmeur que mord le serpent et de tous ceux qui affrontent les bêtes féroces? Ouais, le charmeur. Je vais prendre le mot pour voir dans la Strong. Le charmeur. Hold on. On vous dit, c'est, voilà,
on vous dit c'est un charmeur ou voilà, c'est lié, ou le charme, on va dire lié de charme, magique, charmé, faire une alliance, être lié. Mais en fait, je prends la quatrième définition entassée des mots. Vous voyez, des charmeurs, en termes des prédicateurs, des pasteurs, c'est des gens qui disent la bonne aventure, quoi. Ils vous promettent des choses, c'est des beaux parleurs, c'est des gens qui vous font croire que c'est par eux. C'est-à-dire, eux, ils sont là, et derrière eux, c'est Dieu, quoi. Donc, juste le temps qu'ils s'éclipsent, ils vous font voir Dieu. Des diseurs de bonne aventure, des gens qui vous promettent, voilà quoi, ciel et terre. Faites attention à votre âme. Let me go to the scripture. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, on va lire le verset 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, dans d'autres versions on dit de charmeur, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton pouvoir, va chasser ces nations devant toi. Et la plupart des pratiques que les Bani Hachara là aujourd'hui pratiquent, en pensant que c'est ça leur spiritualité, mais en réalité, c'est des choses qu'ils ont prises ailleurs. Et le Père nous interdisait ces choses-là. Vous voyez, dans votre christianisme-là, vos pasteurs vous promettent toujours le bonheur. Toujours le bonheur. Comment vous, pasteurs, vous pouvez dire à un Bani Hachara là, en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, que voilà, la vie elle est belle. Comment? Quelle vie est belle ici? Que Dieu va vous bénir. Dieu va bénir quoi ici? Vous travaillez tout, c'est entre les mains de votre ennemi. Va bénir quoi? Il y en a qui vous dire, ils vont vous dire, ouais, ben, repartez en Afrique. Vous allez repartir en Afrique. Oui. Mais même cette Afrique-là, ça reste toujours contrôlé par vos ennemis. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de prier que le Très-Haut fasse venir votre règne. C'est tout ce que vous avez besoin. Parce que Job 9, oh non, on va prendre ce précepte-là. Job 9, 24. Je pense. Voilà, la terre est livrée aux mains du méchant, de l'impie. Il voile la face des justes. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? La terre est livrée entre les mains de l'impie, de l'ennemi. Il contrôle partout, partout. Vos ennemis contrôlent partout. Afrique, Asie et partout. Donc vous n'avez pas. Même ce n'est pas une question de location, c'est-à-dire de vous changer de location. C'est une question de règne. Priez que le règne des nations passe pour que votre règne soit établi. Mais vos diseurs de bonne aventure vont vous faire croire que oui, la vie elle est belle. Comment est-ce que la vie peut être belle quand nous sommes livrés à nos ennemis? Comment? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Je vous fais des vidéos sur YouTube. C'est la plateforme de l'ennemi. Comment est-ce que je peux être heureux de dire que ouais, je viens sur YouTube, je fais des vidéos. Une plateforme qui n'appartient pas à la fille ni au fils de mon peuple. Comment je peux en être content, heureux? Il y a des gens qui viennent se pavaner sur YouTube en pensant être des grands sur YouTube. Mais c'est pour l'ennemi.
L'internet, le téléphone, ok, que j'utilise, c'est les sociétés des ennemis. L'internet que je vais utiliser pour mettre en ligne cette vidéo, c'est les ennemis. J'ai quoi comme gloire que je peux me glorifier? Il y a quoi comme gloire? Mais vous devrez avoir un degré de conscience pour comprendre ces choses-là. Vous voyez des gens qui viennent et disent, voilà, moi je connais mieux des choses que toi. Vous êtes marrant. Oh, do you know better? Who the hell do you think you are? Vous pensez que vous êtes qui ou quoi? C'est pour cela, moi, je me cache pas. Vous voyez? Je me cache pas. Je dis ces choses-là. On est chez les ennemis. Je dis ces choses-là. J'ai peur de rien. Je montre mon visage. J'ai peur de rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi, j'ai pas peur. Quoi? Perdre le travail? What the hell is that? Je perds le travail. Je vais chercher un autre. Voilà, ça s'arrête là. Si l'autre, je perds, je cherche un autre. Et le Très-Haut n'abandonne jamais ceux qui le servent avec sainteté, honnêteté. Il n'abandonne jamais. Je sais de quoi je parle. Nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Vous vous glorifiez sur quoi? Les âmes des gens, c'est ça qui est plus important que tous. N'écoutez pas les charmeurs. N'écoutez pas les diseurs de bonne aventure. Mettez-vous juste droit avec les préceptes du Très-Haut, avec sa parole. Ses lois, ses commandements, c'est ça qui est plus important pour vous. Psaume, chapitre 58. Les méchants sont pervertis à partir du verset 4. Dès le sein maternel, dès leur naissance, les fourbes se sont égarées. Leur venin, vous allez comprendre ici, les méchants là, en tout cas en ce qui concerne le sujet, ce sont vos prédicateurs, vos pasteurs, soi-disant, je sais pas quoi là. C'est des méchants qui trouvent en vos âmes aucune valeur. Déjà, leur propre âme, pour eux, voilà, n'a aucune valeur. Parce qu'une personne qui craint le Très-Haut, une personne qui craint le Créateur, vous ne pouvez pas blaguer avec les âmes des gens, les frères, les sœurs. Vous ne pouvez pas manipuler les gens. À cause de quoi? Les voitures, les maisons. Donc les pauvres personnes vont travailler dur. Vous venez, on vous achète des jets privés, on vous construit des maisons, vous garantissez l'avenir de votre femme et de vos enfants. Et les âmes, frère. Les âmes. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants dès la naissance. Et dès que vous sortez même du ventre de votre maman, vous commencez à sortir des fourbes, des coups bas, des mensonges. Leur venin, vos paroles, est semblable au venin du serpent, de la vipère sourde qui ferme ses oreilles et n'entend pas la voix de l'enchanteur, du charmeur habile dans son art. C'est des charmeurs habiles dans l'art du mensonge, dans l'art de la perversion, dans l'art du contrôle mental. Y en a qui se font passer pour, soi-disant, des libérateurs de la race noire. What the hell is that? Même le Machia n'est jamais venu pour libérer, soi-disant, la race noire.
Jamais de la vie. Et vous êtes là, vous êtes des libérateurs. What the hell is that? Libérateur. Libérateur de quoi? Des charmeurs habiles dans leur art, l'art du mensonge, des promesses. What the hell is that? Mais vous êtes très habiles, regardez. Deux pierres. Parce que... Deux pierres, on va prendre le premier chapitre. Let's read. Verset 15. 2 Pierre 1, verset 15. Regardez. Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Verset 16. Ce n'est pas en effet sur la foi des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Mashiach Yahushua, mais en témoin oculaire de sa majesté. Donc les charmeurs maîtrisent l'art. Ils ont des fables ingénieusement imaginées, des discours bizarres, mais bien ficelés. Ils ont l'art oratoire, ils ont la rhétorique, ils savent parler, ils savent captiver. Mais il n'y a rien dedans. Mais je vous dis là, le Très-Haut ne permettra pas que vous blaguez avec les âmes de ceux qui l'aiment. Parce que ces âmes-là sont importantes. Parce que vous voyez souvent, we get carried away, c'est-à-dire on se fait emporter peut-être sur des choses, mais on oublie que ce qui est important, c'est ça là. Des charmeurs qui conçoivent des doctrines habilement conçues qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Des promesses aux gens, vous allez avoir les maris, vous allez avoir le mariage, vous allez avoir... What the hell is that? Combien sont parmi vous là, vous dites aux gens, obéissez à la loi, aux préceptes, priez sincèrement et le Très-Haut va agir dans votre vie. Vous maîtrisez l'art de captiver les gens mentalement avec des discours, des doctrines habilement ficelées, imaginées. Jean chapitre 4. Verset 1er. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais voyez par l'épreuve si les esprits sont du pouvoir, c'est-à-dire du Très-Haut. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vais m'arrêter là. Donc, oh, je vous dis, vous là, qui suivez les gens, tout ça là,
Si tu sais que ton âme est précieuse, fais attention à là où tu mets tes pieds. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais toi, la pasteur, si ton âme n'est pas précieuse pour toi, ne viens pas polir ou détruire. Bon, on va pas dire ça détruire, mais ne viens pas, c'est pas souiller les âmes des gens. Ces âmes-là sont précieuses pour elles et aussi pour le Créateur qui les a faites. Voilà. Mais ce que je vous dis, le Très-Haut se venge toujours sur tout ce que l'on peut faire en montant sur son nom. Il se vengera toujours. Il vous frappera toujours. Un jour, il vous frappe. Toujours. Voilà. C'est tout. Il va vous frapper. Anyway, je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. Moi, je sais que mon âme, elle est précieuse. Je sais que les âmes de mes frères et sœurs sont précieuses. C'est pour ça, vous voyez, moi j'ai des choses personnellement, ou même selon la parole, il y a des choses, je ne peux pas venir ici vous exposer comme ça. Parce que peut-être d'autres personnes vont mal prendre ça. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Et si peut-être il y a des désagréments, je préfère en débattre avec mes frères dans un cercle restreint. Je ne peux pas venir ici, non. Les frères, faites attention où vous partez mettre vos oreilles pour recevoir soi-disant la parole. Étudiez aussi de vous-même. Je vous ai toujours dit, étudiez aussi de vous-même. Oh ouais, les gens peuvent. Vous voyez tous ces idiots-là qui viennent, qui nous traitent de, je sais pas, secteur, je sais pas, comment on l'appelle, des religieux, soi-disant, regardez, comment on l'appelle déjà? Des extrémistes. On va vous dire quelque chose. Vous voyez, quand on parle avec nos frères, on se rigole de vous. On se rigole de vous. On se rigole de vous. Mais bon, comme vous nous trouvez comme ça, comme des sectaires, des extrémistes religieux, ben oui, voilà, ben trouvez-nous comme ça. Mais ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous parlent au quotidien, savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. Donc voilà. Donc vos avis, là, on s'en fout. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'édification des frères et sœurs qui aiment la parole. Et qui vérifient d'eux-mêmes, qui prennent ce qui est bon et qui rejettent le mal. Moi, je vous ai toujours dit, personnellement, moi, les gras. OK? Je vais vous dire quelque chose. Ce que moi, je fais. Je prie. Je prie. Quand je vais écouter des enseignements, vous pouvez tomber sur des enseignements, ça vous intéresse, tout, 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 tout. Mais quand, par exemple, vous vous abonnez sur une chaîne et que vous suivez cette chaîne de façon régulière et quotidienne, vous devrez prier. Moi, quand c'est comme ça, là, je suis plus. Voilà, je suis plus. Prier. Moi, je vous ai toujours dit aux gens, même quand les gens m'approchent pour des situations, je leur dis, allez, va d'abord prier. Si Dieu, en tout cas le Créateur, te permet que tu viennes parler avec moi ou au travers de moi pour discuter de quelque chose, oui, vous devez d'abord tester les esprits, tester l'esprit qui est en moi. Tester. Si je suis dans la sainteté, dans l'honnêteté. Si je fais les choses selon comment le Père m'a envoyé. Parce qu'il y a des gens qui sont souillés. Avoir le beau discours,
où il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des rosicriciens, il y a des francs-maçons, mais qui sont des pasteurs. Ne vous fiez pas au beau discours. C'est l'esprit. Testez ces esprits-là. Demandez au Très-Haut. Et le Très-Haut va vous exposer qui est son véritable serviteur, qui ne l'est pas. Moi, je vous dis. Mais attends, vous croyez au Très-Haut ou pas? Priez! Et d'ailleurs, vous n'allez pas le faire puisque vous aimez pas, vous n'aimez pas prier. Vous êtes des paresseux. Même pour des choses qui sont pour votre propre âme, vous êtes paresseux. Vous n'allez pas le faire. Moi, je dis, moi, Allegra, votre frère, priez. Si Dieu vous dit que, ah, vous voyez, Allegra, là, c'est pas mon serviteur, désabonnez-vous. C'est simple. C'est simple. Là, c'est period. Et moi-même, là, vos histoires de nombre d'abonnés, là, ça m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Ça m'intéresse pas. Les abonnés ou quoi, ça m'intéresse pas. What the hell is that? Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai mes abonnés, mais mes abonnés, c'est d'abord ma maison. Est-ce que vous comprenez? Le reste, ça ne m'intéresse pas. Abonnés, où est-ce que vous m'avez déjà vu vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, tout ça. Moi, I don't need that. J'ai pas besoin de ça. Abonnez-vous, tout ça. Moi, je ne fais pas ces trucs-là, abonnez-vous. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que, comment est-ce que moi, je vois les choses? Si réellement, oui, je reçois plusieurs témoignages des frères et sœurs. J'ai des sœurs, des frères qui m'ont dit, je suis tombé sur ta vidéo. Au départ, je me disais, mais ce gars-là, il raconte quoi? Mais il y avait toujours des choses qui me faisaient revenir sur des vidéos. Et je me suis abonné. Moi, je ne vais jamais supplier quelqu'un de s'abonner sur ma chaîne. Never ever! Et vous ne verrez jamais dire à quelqu'un, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je fais pas ça parce que ce que je crois, c'est l'esprit du Père qui convainc la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit du Père qui convainc la personne. À moins que ce soit des vidéos d'information. Mais si c'est des doctrines, jamais je n'appellerai quelqu'un pour dire partagez, partagez, abonnez-vous. Non. C'est l'esprit du Père qui vous guide et vous décidez de vous abonner. Il y a des faux abonnés qui s'abonnent par curiosité. Moi, je ne m'abonne pas par curiosité. Si vous comprenez. Je m'abonne, je reçois les instructions. Je reçois les enseignements. Quand je sens que ça va plus, je regarde plus. Period. C'est tout. Abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, c'est merchandising, c'est quoi? C'est de la marchandise, c'est de la promo, c'est du marketing. Dans les histoires de Dieu, là, on fait du marketing. Stop it! Si vous faites quelque chose de bien, si vous faites des choses avec sainteté, avec honnêteté, vous le faites bien, les gens viendront vous suivre. C'est tout. Les gens viendront vous suivre. C'est tout. Moi, je me demande même est-ce que le Machia. Il dit, allez, appelez, allez, prenez-nous les abonnés, prenez-nous les abonnés. Quel abonné? Hein? Vous avez besoin des abonnés pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Ah, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin que l'esprit puisse convaincre des gens. C'est tout. Parce que si l'esprit convainc quelqu'un, mais cette personne apportera la bonne nouvelle. Vous faites appel aux abonnés, pourquoi? Partagez, partagez. Who the hell is that? Who the hell is that? Moi, je ne fais pas appel aux abonnés. Je ne fais pas vos histoires de like là ou je sais pas quoi là. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mon problème, c'est avec les charmeurs. Des serpents. Vous êtes des serpents. Des charmeurs, des serpents. Vous égarez des gens. Des milliers d'années, là, vous faites que mentir aux gens. Vous oubliez de dire au peuple que ici, vous êtes en captivité. Vous êtes dominé par vos ennemis. Priez pour que le Très-Haut détruise le règne des nations.
pour que nous aussi on enjoy. Vous faites des promesses. La vie elle est belle. Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Tout ce que Dieu peut faire, c'est que nous prions pour qu'il détruise le règne des nations. C'est tout. C'est ça qui est important. C'est plus important. Anyway, le Très-Haut s'est encore glorifié. Prenez soin de vous, les frères, de vos familles, de vos âmes, de votre esprit et de votre corps. C'est précieux. Restez toujours en prière. Priez. 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 Priez beaucoup. Voilà. Que le Père soit glorifié. Shalom, les frères.